Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle émission du podcast et de l'émission Café Business, dans laquelle on parle de business en buvant le café. Donc bon café à vous en ce samedi. Alors aujourd'hui, on va parler d'une thématique qui me tient particulièrement à cœur. Ce sont les soft skills. Alors c'est de l'anglais, bien sûr. Certains d'entre vous vont déjà comprendre ce que c'est, d'autres non, peut-être pas. Ça vient en contradiction avec les hard skills. Les hard skills, en fait, c'est ce qu'on apprend. Typiquement, c'est les matières qu'on apprend. Donc à l'école, c'est le français, l'anglais, les mathématiques, l'histoire géo. C'est des hard skills. On apprend des compétences qu'on va pouvoir mettre en œuvre dans nos futurs métiers. Les soft skills, c'est des compétences liées à plus à son comportement, on va dire, à la connaissance de soi et à son intégration dans le monde, si on veut. Donc, ça va être des compétences comme la communication, comme bah, même la confiance en soi, hein, ça pourrait être un soft skills, la vente. Ça peut être l'éducation, même alors non, l'éducation financière, on pourrait dire qu'il y a un petit peu de soft skills et il y a un petit peu de hard skills, mais c'est vraiment tout ce qui est lié à votre capacité à interagir avec les autres. Et c'est pour moi essentiel. Je pense, j'ai même un rêve, moi, en tant que je suis quelqu'un d'idéaliste, je ne sais pas si vous l'avez déjà perçu, mais j'ai des grands rêves et je me dis que c'est possible et en fait, c'est sûrement... peut-être pas possible, mais bon, tous ceux qui ont dit que c'était impossible, s'ils ne le savaient pas, ils l'ont fait, donc on va partir du même principe. Moi, il y a un de mes rêves, ce serait de me dire, je monte une école où j'enseigne toutes les soft skills et non pas les hard skills, en gros, pour venir en complément à l'école. Parce que l'école, il y a plein de choses qui sont bien, mais il y a aussi plein de choses qui ne sont pas top. Et du coup, plutôt que de démonter tout simplement l'école et dire « Ah, c'est pas bien, il ne faut pas, on s'en fiche, j'allais apprendre les maths, machin », il y a quand même plein de choses que ça apprend, ça donne un niveau égal au minimum, en tout cas à plein de gens. Et on voit bien dans les pays où il y a d'éducation et d'autres où il n'y a pas d'éducation, qu'il n'y a pas de question à se poser. L'école, c'est quand même bien. Il vaut mieux avoir l'école, même si elle est imparfaite, que de ne pas avoir d'école. C'est clair et simple. Maintenant, ça ne veut pas dire que l'école est parfaite. L'école ne peut pas tout faire. Donc, ça veut dire que c'est à nous de venir compléter en fait ce qui nous manque. Sauf que quand on ne sait pas ce qui nous manque, bah c'est dur de venir le chercher et de s'en rendre compte. Et moi, j'en ai pris conscience au fur et à mesure ces dernières années. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, ça me semble tellement mais énorme comme truc que je ne comprends pas pourquoi tout le monde ne le sait pas. Et je ne sais sûrement pas tout encore. Enfin, c'est même pas sûrement, c'est une certitude. Mais du coup, c'est une question super intéressante à se poser. Comment développer ces soft skills ? Alors moi, je vais vous donner un petit peu le parcours que j'ai eu et les choses qui me semblent importantes. Et voilà, peut-être qu'un jour, j'aurai ce serait peut-être même des formations gratuites. Enfin, j'imagine, ce ne serait pas un truc pour lequel il faudrait payer parce que c'est tellement juste... Des fois, c'est du bon sens, mais c'est surtout des choses sur lesquelles il faut prendre le temps de réfléchir, le temps de se poser, le temps de se poser des questions. Ouais. Donc moi, typiquement, je crois que la première ressource... Allez, je vais vous en donner deux. Il y a deux livres qui m'ont permis de mettre le doigt là-dessus. Le premier livre, c'est le livre de Daniel Goleman qui s'appelle « L'intelligence émotionnelle ». Ça a été une grande claque quand je l'ai lu parce que j'ai compris plein de choses. Moi qui suis plutôt d'une nature, on va dire, très cartésienne, les émotions, j'ai conscience qu'elles existent, mais en tout cas, j'avais conscience qu'elles existaient, mais je ne savais pas trop quoi en faire, je ne savais pas trop comment les exprimer, pas les exprimer, ou c'était très maladroit, je n'étais vraiment pas à l'aise avec ça. Et en ayant lu ce bouquin, je me suis rendu compte que les émotions, c'était juste un truc de malade. Ce livre est très très bien, je vous engage à le lire, vraiment, vous allez comprendre plein de choses. C'est aussi vrai pour sa vie perso, c'est aussi vrai pour sa vie de travail, c'est aussi vrai pour sa vie amoureuse, c'est aussi vrai pour la vie avec ses enfants, avec ses parents, avec tous les gens autour de nous, en fait, ce qui fait le monde, et on est dans ce monde. Alors même s'il y a plein de choses qui se passent derrière un écran, que ce soit derrière un écran ou en direct avec les gens, pour faire passer une idée, il faut, il y a certains trucs. Par exemple, là, si je suis sur mon canapé avec un air avachi et puis que je parle tout doucement, comme ça, et que je vous dis que les soft skills, c'est vraiment le truc le plus important à développer dans votre vie, ça va peut-être pas avoir exactement le même attrait que si je vous dis les soft skills, c'est un élément mais primordial à développer dans votre vie pour réussir votre vie sous tous ses côtés, quoi. Voilà, donc rien que là, par exemple, en termes de communication, j'incarne ce que je dis parce que je le pense réellement, je l'ai vécu, je vais vous partager quelque chose qui est en relation avec mon expérience personnelle et du coup, je suis persuadé qu'il y a un gain énorme à la clé.
Et du coup, par rapport à ça, ce bouquin, l'intelligence émotionnelle, est génial pour comprendre plein de choses sur comment l'humain fonctionne et plein de petites, comment dire, des petites astuces, on va dire, des choses qu'on peut mettre en place dans notre quotidien pour nous simplifier ou nous comprendre la vie sur plein de choses. Typiquement, si vous ressentez une émotion de colère, déjà, une émotion, qu'est-ce que c'est? C'est une première question qui est intéressante. Je ressens de la colère parce qu'il s'est passé un événement dans ma vie là. À l'instant, je viens de raccrocher, j'ai eu une très mauvaise nouvelle, je ressens de la colère. C'est un fait. On ne peut pas, on dit gérer ses émotions, c'est pas vrai, on ne peut pas gérer ses émotions. La colère, on la ressent. Le but, ce n'est pas de ne pas ressentir la colère, parce que du coup, on serait inhumain, on ne ressentirait plus les sentiments. C'est pas ça. Le but, c'est de se dire, ok, cette colère, elle existe, elle est en moi. Maintenant, qu'est-ce que j'en fais? Une émotion, ça dure maximum 20 secondes. Donc la colère, autorisez-vous à la vivre. Pendant les 20 secondes, juste vous accusez le coup, en fait, vous êtes en colère. C'est comme ça. Maintenant, ce que vous faites après, c'est une réaction à cette émotion. Et du coup, ça va devenir ce qu'on appelle un sentiment. Vous allez avoir un sentiment peut-être de peine, ou un sentiment de jalousie, ou un sentiment de challenge, parce que cette colère, ça va vous donner la niaque pour avancer dans vos projets. Chacun va pouvoir réagir de façon différente. Et c'est ça qui est important. C'est pas tant la colère. La colère, c'est un fait. On n'y peut rien. C'est comme ça. Maintenant, quelle est votre réaction? Et ça, c'est extrêmement puissant. Alors, bien sûr, si vous m'écoutez comme ça, d'une oreille distraite et que ça passe comme ça et ça ressort aussi vite, ça ne va pas avoir d'impact. Mais quand vous vous arrêtez sur des choses comme ça et que vous les comprenez vraiment et que ça fait un déclic chez vous, là, ça change tout. Parce que la prochaine fois, vous serez en colère, vous vous direz, punaise, je me rappelle, Mathieu, il m'a dit, c'est la réaction qui est importante. Comment je veux réagir à cette nouvelle négative ou difficile que je viens de recevoir. De toute façon, c'est comme ça. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je m'enfonce sur mon canapé, je broie du noir et je pleure toute la journée? Ou je me dis, putain, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Comment il faut que j'agisse? Qu'est-ce que je veux faire de cette situation? Comment je veux m'en sortir? Quelles sont les pistes qu'il faut que j'exploite? À qui je peux en parler? Et là, on est dans un raisonnement qui va nous permettre de chercher une solution. Et rien que le fait de chercher une solution à un problème, ça n'a plus rien à voir par rapport à subir le problème. Donc là, je vous donne un exemple par rapport à ça. C'est un exemple parmi tant d'autres, mais vous voyez la puissance que ça peut avoir. Concrètement, deux personnes, une qui n'a pas compris ça et une qui a compris ça, elles ont des vies mais diamétralement opposées, alors qu'il peut se passer peut-être exactement les mêmes faits dans leur vie. Donc ça a une importance capitale. Et donc ça, c'est un exemple par rapport aux émotions. Et un autre livre qui m'a beaucoup, beaucoup, beaucoup plu aussi par rapport à ça, j'en avais entendu beaucoup du bien, mais je n'avais jamais lu parce que le titre ne me parlait vraiment pas du tout, c'est le livre de Dale Carnegie qui s'appelle « Comment se faire des amis ». Alors moi, je ne comprenais pas trop le principe, comment se faire des amis, c'est bon, j'ai déjà mes amis, je n'ai pas envie de m'en faire d'autres, je ne vois pas l'idée. Et en fait, c'est juste que c'est une mauvaise traduction, je trouve, du titre. En anglais, c'est « How to influence people » and je ne sais plus la fin, mais comment influencer les gens en fait. Et par influencer, ce n'est pas de la manipulation. Le côté manipulation, là, il y a un préjugé négatif. Influencer, c'est comment faire en sorte, comme tout à l'heure quand je vous ai parlé avec un côté très monotone, très voilà, un peu perdu, et le côté enthousiaste, c'est que ces deux choses vont générer chez vous deux comportements et deux réactions différentes qui font que je ne vais pas avoir le même retour. Typiquement, si je vends une prestation de référencement à un client, un prospect, et que j'arrive en mode voilà, j'ai pensé à cette stratégie qui pourrait être pas mal pour vous, c'est 10 000 euros, je ne sais pas ce que vous en pensez. Ça, et du coup, la même chose, peut-être que dans votre esprit, ça ne change rien, mais si vous êtes là en mode enthousiaste, en lui disant « j'ai compris que dans votre marché, ça fonctionne comme ça, comme ça, comme ça, là, il y a une place à prendre, si on fait ça, 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 et je peux vous accompagner pour le faire, parce que vous ne savez pas, mais moi, je sais, en tout cas, j'ai les idées à mettre en place pour y arriver, vous allez avoir des super résultats, et est-ce que ça vous dit qu'on mette ça en place ensemble ?» Vous pensez bien que la réaction de la personne ne va pas être la même selon ces deux scénarios. Et encore une fois, ça c'est un exemple parmi des milliers. Et ce livre de Dale Carnegie, Comment se faire des amis, il explique vraiment des exemples de la vie réelle où il s'est inspiré, vraiment c'est beaucoup d'histoires où il s'est inspiré de présidents des États-Unis par exemple, de dirigeants d'entreprise. Et à chaque fois, il y avait un problème. Et du coup, il a montré comment ces personnes ont solutionné ce problème, par exemple, en ayant telle attitude.
Et donc, il y a une liste de règles, on va dire, de bonnes choses à faire qui sont exprimées dans ce livre. Typiquement, je sais pas, savoir dire non. Savoir dire non, c'est pas dire non à tout le monde, c'est juste savoir quand on dit oui, quand on dit non, pour quelle raison, qu'est-ce que ça va provoquer, qu'est-ce que c'est la suite si on dit oui ou si on dit non, comment se projeter dans le futur pour savoir si on a pris la bonne décision. Et il y a tellement de choses comme ça. Ce bouquin, il est très bien fait, il se lit très facilement et je l'ai lu trois fois, ouais, je l'ai trois ou quatre fois, parce qu'on y revient et c'est des leçons. Si on lit juste les titres comme ça, on se dit c'est du bon sens, mais en fait ça va beaucoup plus loin, il faut y venir et revenir et re-revenir et appliquer ça et voir ce que ça change réellement dans vos vies. Moi, clairement, ma vie a changé parce que j'ai mis en place des choses comme ça et parce que j'ai compris que finalement ces soft skills sont même plus importantes que les hard skills qu'on peut apprendre. Parce que si on n'a pas les soft skills, on aura beaucoup moins d'occasions de mettre à profit les hard skills qu'on a. Bien sûr, derrière, il faut avoir ces hard skills, elles sont extrêmement importantes également, mais elles ne sont pas suffisantes. Il faut avoir les deux. L'une sans l'autre, il vous manque quelque chose, quoi. C'est comme un tabouret, s'il y a un pied qui casse, vous tombez. Ben là, c'est pareil. Sur les deux piliers, s'il y en a un qui n'est pas là, vous n'allez pas progresser aussi bien, aussi vite, aussi aligné avec vous-même, avec autant de bonheur que si vous avez les deux. Et c'est un processus vraiment super agréable parce qu'il y a des récompenses tout le temps. Vous vous rendez compte régulièrement sur le chemin. Alors, ce n'est pas tous les jours, mais c'est sur, là, moi, je vous parle de plusieurs années. Donc, vous regardez en arrière, vous dites, ah, le Mathieu d'il y a un an ou le Mathieu d'il y a cinq ans, ah, j'ai quand même progressé sur ça, ça, ça. Et ça donne un sentiment de fierté quand même assez fort qui donne lui-même une estime de soi qui est meilleure et donc une communication auprès des autres qui est meilleure. Le Mathieu d'il y a 5 ans, il n'aurait pas pris la parole de cette façon-là. Il n'aurait peut-être pas osé affirmer certaines de ses idées aussi fortement. C'était pas le même. Alors, il était très bien au moment, il y a 5 ans, le Mathieu d'il y a 5 ans, il était très bien. Et le Mathieu d'aujourd'hui, il est très bien et il a encore beaucoup à progresser. Mais justement, c'est important de progresser et les soft skills, c'est quelque chose de primordial pour progresser, pour réussir dans ce qu'on entreprend, dans notre vie privée, dans notre vie sociale, dans notre vie professionnelle, dans notre vie tout court en fait. Donc c'est un message fort, enfin je pense que vous avez ressenti un peu l'enthousiasme que j'ai à en parler. C'est pour moi vraiment extrêmement important et je vous encourage à aller découvrir un petit peu ça, à faire même des tests de personnalité pour savoir quelles sont vos forces et vos faiblesses, appuyer vraiment sur vos forces, à la limite vos faiblesses, on s'en fiche un peu, c'est important de les connaître pour pas essayer de lutter contre des choses dans lesquelles vous n'êtes pas forcément... c'est pas facile pour vous, des fois ça sert à rien d'aller lutter contre des choses où c'est pas votre truc quoi. Par contre, il y a d'autres choses où vous êtes fort, où vous pouvez aller encore plus fort et du coup avoir une personnalité encore plus forte. Et pour la confiance en soi par exemple, c'est extrêmement important. Voilà, c'est tout pour cet épisode. Dites-moi dans les commentaires si ça vous parle, si vous avez vu aussi des changements dans votre vie parce que vous avez développé telle ou telle soft skills, telle ou telle compétence. Et puis, mettez des likes, abonnez-vous et puis on se retrouve samedi prochain.